Read him up. Magnifique. Nous avons ici affaire à un cornouiller à bois décoratif. C'est un cornouiller donc, qui peut monter sur tronc, qui fait des petits troncs. C'est un arbuste de petit développement qui va faire peut-être 3 mètres à l'âge adulte maximum, en fonction de ses conditions de sol et puis de son environnement. Ici, on est dans un petit jardin à côté d'une terrasse et il y a un passage juste à côté. Donc on voit notamment qu'il a été réduit ici, justement pour favoriser le passage. A priori, il a été assez peu taillé au niveau de la structure. Donc l'idée étant de le garder, de le mettre en valeur, parce qu'en plus il y a un fond, il y a un mur derrière, donc il y a une perspective qui est intéressante, et de faciliter le passage. Donc on va le conserver, et du coup là je vais faire une taille de conversion, donc pour passer d'une forme, une non-forme finalement, à une forme libre accompagnée. Et donc un petit travail d'éclaircie, et de structure, de travail sur la structure des charpentes principales, essayer de mettre en valeur un peu les actions à réitérer, les troncs qui sont là. Voilà, à la scie et au sécateur, tout simplement. Ben c'est parti. Read him up!